T'es prêt toi? J'étais surpris. Attention moustique. Coucou les amis, c'est Raizen et bienvenue avec moi pour ma petite série de vidéos aventure sur Zelda Breath of the Wild. Donc dans cette série vous découvrez mes premières réactions, on va avancer dans l'histoire ensemble. Je partagerai avec vous quelques tips pour vous aider aussi à progresser, puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire pour soit me donner des conseils, me poser des questions ou même juste faire coucou, ça fait toujours plaisir. Donc on se rejoint juste après l'intro. A tout de suite. Coucou les amis, c'est Raizen et bienvenue avec moi pour une petite vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Alors là on pourrait se faire ce petit sanctuaire, je me tâte. Ou alors un peu d'exploration encore. On trouve un petit village. Je sais pas si on a d'autres cachés. Honnêtement je pense pas. Là on peut pas y aller. Je peux pas descendre le curseur. Sinon je serais allé voir. Ça je sais pas où. Un coin sympa à explorer les amis. Ça pourrait être où. Ça c'est marrant mais on est déjà allé. Peut-être un ours ici. Truc de courant. Il y a sûrement des sanctuaires qu'on n'a pas trouvé, ça c'est sûr. Mais où je saurais pas vous dire. Lac Paragest. Ouais. Ça y est, il doit y avoir du butin. Je crois qu'il y avait un linel ici. Ces îles-là, on est allé, il me semble. Quand même, on a exploré pas mal de choses, hein, ensemble. Terre chansonnée. C'est marrant comme nom. Honnêtement, je sais pas. Peut-être ici, il n'y a pas beaucoup de choses. À mon avis. Là, je sens bien un petit truc, peut-être. Pas forcément ici, mais au moins dans cette zone. Genre par exemple là. Donc j'ai envie d'aller ici, on va y aller. À cheval. Donc les amis, on est parti. Et comme toujours, pensez à mettre un maximum de likes. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je rappelle, petite playlist en description. Plus simple à suivre. Longue vue, balise, tac tac. Ça c'est pour faire du repérage. Justement, si on veut voir plus de sanctuaires, on peut prendre un petit coin en hauteur. Si possible, un endroit qu'on n'a pas trop visité. On fait la longue vue autour. Et à mon avis, on voit peut-être quelques sanctuaires qu'on n'a pas activés encore. C'est une possibilité. Côté tenue, je vais changer un peu. Ah, attendez, il y a peut-être un petit commentaire. Touk, touk. Si je le trouve. C'était Zulien. Raizen, pourquoi tu uses plus l'armure du prodige? Allez bien, non? Sinon, continue. Alors, touk. Armure de prodige. Ça fait chelou. Hein. Bah, elle est jolie. Puissante, correcte. Elle a plus de défense que le truc piaf par exemple, même si elle est juste 2 étoiles. Faudrait que je lupe un peu plus. Faudrait que je fasse plus de dragons pour ça. Il y a peut-être moins de luper maintenant. Maximum c'est 4 étoiles. En fait elle sert surtout à voir la vie des ennemis. De temps en temps je m'en sers pour les petits tutos quand il y a besoin de vous montrer ça. Ça c'est rare, c'est vrai. Je peux la mettre avec quoi? Des boucles d'oreilles. Ça, elles sont pas encore épais, donc peut-être pas tout de suite. Ça, je les aime bien, ces boucles d'oreilles. En plus, on les voit. Hein. Top. Pantalon pika, non. Ah,
Ah, peut-être comme ça, c'est assez simple. C'est simple, mais c'est joli. Et côté arme, je vais me prendre une petite épée toute simple, tac. Durabilité, why not? Si ça casse, tant pis. Attendez, il y a quelqu'un qui fuit là, tac tac. T'attires les monstres. Alors elle, c'est le genre de personnage qui attire les monstres. Faut l'aider, il y a une petite récompense à la clé. Et elle sert à indiquer les relais en fait. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier relais. C'était avec une fille comme ça, qui attire les monstres. C'est un peu space, mais hop. Alors, emmener un cheval. Cette fois, on va prendre quoi? Alors, on a Sakura, Milou, Mustang, Tatou, Matt, Noxy. Donc, j'ai plus de place pour les chevaux, les amis. Peut-être pour la série Minecraft, quand on aura une bonne écurie et tout. Je ferai des petits noms de chevaux et tout, why not? Mais pour Zelda, à moins de supprimer un cheval, il n'y a plus de place. C'est 5 maximum. Donc je sais que vous m'avez donné plein d'autres noms après et tout, mais comme je vous ai dit, bah, pas possible. Tout simplement. Donc on va prendre Noxy. Il est assez rapide, j'aime bien. Il est plutôt coloré. Il y a peut-être un Korogu ici, on va aller voir. Ah, je le sens bien là, un Korogu ici. Ce serait cool. Ah, je l'entends les amis. Je sais pas si on l'a pris. J'espère que non. Oh. Mmh. What the fuck? Ah ouais, d'accord, ça se trouve c'est caché en fait. Non. Couchez-toi. Hop. Ça, c'est une embuscade. On a une noix comme ça. C'est un peu triché, mais bon. Ça passe. Je vais essayer ça. Je suis pas convaincu, hein, mais on teste. On a réussi. C'est beau, hein, mais c'est efficace. Trouvé. Donc de temps en temps, ça m'arrive de mettre des petits pointeurs ici. Donc ça c'est cool, je pourrais retirer le pointeur. Parce qu'il y a une limite de 100, on peut en mettre 4 de plus des pointeurs. Donc c'est en gros, j'ai vu des petits Korogu mais hors caméra. Comme ça, c'est l'occasion de les faire en fait. Top. Et si on en voit d'autres? Genre toi là? Je t'avais pas vu apparemment. Bon, on se les fait aussi. Hein. Ah, il me faut un caillou. Chercher un caillou, les amis. Ah. Peut-être. Ah, bah là. Tranquille. On remonte ça et après on est bon. Donc, deux Korogu. Je suis plutôt content de dire. Non, dis-tu, tu m'as trouvé, et yep. Alors ensuite.
sur le Noxie. Et on va aller voir le point rouge. Parce que je pense qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu là-bas. Des arbres. C'est vrai que des fois les corbeaux ils vont dans les arbres aussi. Ah, il y a un gros squelette. La nuit sera verra. Je sais pas s'il y a un truc intéressant avec lui. Je peux noter la pause. Ouais. Je sais pas ce qu'il a comme arme. Je crois qu'il n'y a rien avec ses armes. Oh, là il y a des ennemis. On va aller voir ça les amis. Alors côté arme, on va se prendre une bonne petite lance. Peut-être ça tiens. Flèche de classe ou ça. Flèche simple. Donc là vous voyez, on voit sa vie maintenant. Ça peut être pratique. Je crois qu'on l'a gelé. Non, il a pas l'air totalement gelé. Ah, est-ce qu'il s'en prend plusieurs, il est pas gelé. Je crois. Top. Il y en a d'autres. J'ai envie d'y aller bourrin. Je me fais plaisir, les flashs. C'est pour ça aussi. Lui, il a pas l'air de voir cette cholée. Je vais prendre des flèches simples. Petite lance. Là, ça marche. Ah, là, t'es mieux quand même. Touk, 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 touk. Je sais pas ce que j'en fais honnêtement. Une bonne attaque, il me faut. Bah, ça. Pouk. What? Mon épée royale va se briser? Ça l'a gouillé un peu quand même. Oui, pas content. Là, on le bourrine. Ah, c'est vite cassé mon épée. Je vais prendre cette épée là. Si elle casse, tant pis. Prépare-toi. Voilà. Je prends son arme, why not? T'aurais pas dû. What? Y'a un campement carrément. Y'a un coffre. Ah oui, oui. Je retourne la caméra en chambre finie. Flash Explo, why not? On joue feu. Oh, c'est cool ça. On joue feu. J'aime trop. Ah. Oh no. Ça j'aime pas. J'ai pas envie de cramer moi. Alors il est encore vivant. Il était. Est-ce qu'on a manqué quelque chose encore? Caillou chelou mais why not? Champignon. Petit cheval.
Tout a l'air correct. Pleine tétra? What? Ça me fait un vague souvenir avec... Wind Waker, peut-être. Oh, et ça? Gigantesque! Tiens donc, salut. Peut-être qu'il va me parler du Tados. Je suis plutôt rare de croiser quelqu'un par ici. Tu te promènes? On mène une étude écologique sur les animaux sauvages. What? Cheval géant? Ils veulent voir mon cheval? Donc en fait, j'y parle du cheval de Canon. Si jamais ça vous intéresse, je fais une vidéo pour l'avoir. Très facile. On peut l'avoir assez vite dans le jeu, mais il faut de l'endurance quand même. Ou des remèdes. Toc toc. Qui ressemble à un cheval, what? On occupe. Naka, il m'indique le chemin, c'est cool. Ok, je peux m'en occuper. T'as rien compris. Pas plus que ça, on va dire. Donne-moi des tips. M'entraîner. Le tir à l'arc à cheval. Ah, il y a même un jeu qui m'attend, les amis. Alors, on va faire ça. Je mets un point ici. Je reviens avec le cheval de Canon. Je valide la quête. Et prochaine vidéo, on se fait le petit jeu. Tir à l'arc à cheval. Donc, désolé Nexi, mais ils veulent un gros cheval. Calme un cheval, tac tac. Alors, 600 balles, on lui fait des câlins pour le calmer. Ouais. Soi-disant, il sera plus obéissant. Je me suis déjà fait surprendre par des gardiens à cheval, c'est pas terrible. Ouf. Hey. Prends un cheval. Mustang. Ça fait un moment qu'on l'a pas pris, lui. A plus, Naxi. Matt. Tadam. Alors, il est tellement énorme qu'il n'y a pas moyen de le relooker. La fille, elle a peur. Côté arme, on va se prendre. Ça, why not? Allez, go. C'est pas le cheval le plus rapide, mais il a de la puissance, de l'endurance. Je pense qu'il est résistant aussi. Shailomon Auto. Ça se passe correct. Là, on va voir s'il y a le boss, on sait jamais. Je pense qu'il dort, mais pas sûr à 100%, parce qu'il fait un peu tard. Il est réveillé, les amis. Ah, oh, j'ai envie de me le faire. Je serais bien là avec toi, mais on va pas te faire descendre ça. Donc j'y vais tout seul. T'es prêt, toi? J'étais surpris. Attention aux moustiques. Il est rapide pour mettre les pattes. Alors, on va le prendre avec les bombes. Oups, il fait des boulettes. Je vais essayer une autre bombe.
Est-ce que ça sert? Ça fait pas grand chose. Non, non, non. Vas-y, tu veux me lancer? Vas-y, vas-y. Come on, come on. Non. Voilà, non mais... Là, on bourrine ce truc. Ça a de la vie. Oh, 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 calme. Et là, on finit. Coup de grâce. Voilà. Non, mais oh. Hey! Il y a une lance de glace, les amis. C'est pas mal, ça. Un boomerang et tout, c'est cool. Alors... Je vais lancer ma vieille lance, ça aussi. Non, oust. Alors, durabilité, c'est mieux. Durabilité, c'est pas mal du tout. Ouais, je suis content. Franchement, bon trade. Ah, attendez, la vidéo n'est pas finie, les amis. On va remonter. C'était marrant, les mères. Donc je vous montre la position si vous êtes intéressé. Grosso modo, vous commencez le jeu ici, il y a le lac qui est ici, vous descendez un peu, et là au niveau du chemin il y a un petit boss, la nuit, très très tard, il se réveille, il y a une lance de glace sur le crâne. Cheval... Comment pas. J'avais pas mis un point... attendez... Peut-être que je l'ai passé le point... je sais plus où c'est... Normalement j'avais mis un point jaune... Oh... Je crois que je me suis perdu les amis... Non, à mon avis il faut traverser ça... Je l'ai peut-être pas mis ou effacé... Oh, j'aime pas... Dépêche-toi. Après, je dirais qu'il faut aller à droite. Ah bah c'est bon, en fait, on a trouvé. C'était juste là, tout simplement. Ah bah attends, faut que tu viennes avec moi, toi. M'écrase juste pas, en plus. What? Pas lui parler, il dort. Ah bah voilà. T'as vu l'heure qu'il est? J'exerce une profession très éprouvante pour les neurones, tu sais. Ça alors? Mais quelle bête extraordinaire! Ah bah voilà. Je n'avais jamais vu un cheval aussi grand. Il est énorme. C'est une nouvelle espèce, aucun doute là-dessus. Excuse-moi, tu veux bien que je l'examine un peu plus près? Ouais, fais attention quand même. Oh là là. Oh là là. What? Impressionnant. Fascinant. Hein? Il a l'air plutôt content. Ouais bon, je m'attendais à un truc dans le champ. C'est pas ouf, mais why not? Bon bah les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Non, on va se coucher là. Je vais pas les réveiller. Attends, je vais quand même te parler. Non, il est HS. On va faire dodo puis on va se laisser là. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Comme toujours, pensez à mettre un maximum de likes, à vous abonner si c'est pas déjà fait, pour suivre la série. Playlist en description. Puis moi, je vous dis à bientôt. À plus. Ciao, bye bye. Toi, bientôt.